J'adore, ça fait très My Fair Lady, tout ça, j'adore. Mais en même temps, ça rappelle un peu l'enfance avec le pique-nique, tout ça, j'aime beaucoup. Je suis bien contente d'être venue. Là, les chevaux qui courent, on est en train de voter. J'aime bien cet endroit parce qu'on peut s'amuser. Il y a du monde et il y a plein de magasins. Et on peut aussi faire des pique-niques. C'est ma première fois au Prix de Diane et je trouve ça fantastique. Je trouve ça vraiment super, les gens font beaucoup d'efforts vestimentaires, il y a une très bonne ambiance, il y a des gens qui pique-niquent un peu partout. C'est vraiment très agréable. C'est la première fois qu'on vient au Prix de Diane et on est... Un agréable moment, ouais, on est avec des amis, c'est vraiment très sympa. C'est à la fois élégant et simple, donc c'est très hétéroclite et en fait on passe un bon moment, les gens nous prennent en photo, on rigole avec les gens. Ouais. Voilà, ça reste assez simple. Et très amical. L'année prochaine on sera là, ouais, forcément. Oui, c'est la première fois que je viens ici. Et bon, il fait beau et les cours c'est très bien et je trouve que c'est un bon moment, des beaux gens et c'est la classe, c'est très bien, c'est très bien. C'est la troisième fois que je viens. Et à chaque fois, c'est toujours un plaisir. C'est le dimanche, on se retrouve en famille avec les amis. Et là, on a de la chance, il fait beau. À chaque fois, on est un peu mitigé sur le temps, mais là, il fait beau, donc on est content. Je suis très heureuse et je suis d'avoir très surprise parce que je ne m'y attendais pas du tout. Donc voilà, je suis très contente. On m'a offert une montre magnifique en plus, donc je suis très très contente. L'ambiance de la journée, elle a été d'abord très ensoleillée, donc c'était une super surprise. Et l'ambiance est comme toujours très festive, très colorée. Enfin, c'est toujours un plaisir de venir, c'est la deuxième année et je suis vraiment pas déçue. Baker, you have a real talent, you know, for knowing the future. So for you, who will win today? Definitely a horse.